sale dans l'obscurité. Le pouls qui s'accélère. Un public en alerte. Il y a de la pression dans l'air. On attend cette seconde comme si elle était rare. Et le silence s'estompe quand la percue démarre. De se barrer à la mer ou à la campagne, quand tu ressens ce besoin et que ton envie de verdure t'accompagne. Nouvelles couleurs, nouvelles odeurs, ça rend l'essence euphorique. Respirer un air meilleur, ça change mon goût de périphérique. Est-ce que t'as déjà bien écouté le bruit du vent dans la forêt? Est-ce que t'as déjà marché pieds nus dans l'herbe haute? Je voudrais surtout pas représenter l'écolo relou à 4 centimes. Mais la nature nourrit l'homme et rien que pour ça, faut qu'on l'estime. Donc la nature, je la respecte, c'est peut-être pour ça que j'écris en vers. Mais c'est tout sauf mon ambiance, j'appartiens à un autre univers. Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile. Là où les apparts s'empilent, je suis un enfant de la ville. Je ressens le cœur de la ville qui colle dans ma poitrine. J'entends les sirènes qui résonnent, mais c'est vraiment un crime. J'aimais le murmure de la rue et l'odeur de l'essence. J'ai besoin de cette atmosphère pour développer mes sens. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je trempe ma plume dans l'asphalte, il est peut-être pas trop tard pour voir un brin de poésie, même sur nos bouts de trottoir. Le bitume est un shaker où tous les passants se mélangent. Je ressens ça à chaque heure, mais jusqu'au bout de mes phalanges. Je dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut. Ça sent le réel authentique, peut-être que c'est ça le truc. Quand on le regarde dans les yeux, on voit que s'y reflète nos vies. Et on comprend tout ça, mais hip-hop ne pouvait naître ici. Difficile de traduire ce caractère d'urgence qui se dégage et qu'on vit comme une accoutumance. Besoin de cette agitation qui nous est bien familière. Je t'offre une invitation dans cette grande fourmilière. Je suis allé à New York, je me suis senti dans mon bain. Ce carrefour des cultures est un dictionnaire urbain. J'ai l'amour de ce désordre et je ris quand les gens se ruent. Comme à London Broadway, de la 42e rue. C'est que je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je suis un enfant de la ville, je suis un enfant du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Je me sens chez moi à Saint-Denis quand il y a plein de monde sur les quais. Je me sens chez moi à Belleville ou dans le métro new-yorkais. Pourtant j'ai bien conscience qu'il faut être sacrément taré pour aimer dormir coincé dans 35 mètres carrés.
Et j'ai des explications, il y a tout mon passé dans ce bordel. Et face à cette folie, j'embarque mon futur à bord d'elle. À bord de cette pagaille qui m'égaye depuis toujours. C'est beau une ville la nuit, c'est chaud une ville le jour. Moi dans toute cette cohue, je promène ma nonchalance. Je me balade au ralenti et je souris à la chance. D'être ce que je suis, d'être serein, d'éviter les coups de surin. D'être surin ou de bon coup pour que demain sente pas le furin. Je suis un enfant de la ville, donc un fruit de mon époque. Je vois des styles qui défilent, l'enfant du melting pot. Je suis un enfant tranquille avec les poches pleines d'espoir. Je suis un enfant de la ville, ce n'est que le début de l'histoire. Du bruit. J'aime la foule quand ça grouille, j'aime les rires et les cris. J'écris mon envie de croiser du mouvement et des visages. Je veux que ça claque et que ça sonne, je ne veux pas que des visages. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait très 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 plaisir d'être ici avec vous. Parce que nous, pour nous, la tournée n'est pas complètement terminée. Il nous reste une trentaine de concerts. Mais ce soir et demain, c'est nos dernières dates parisiennes. Et en plus, c'est à La Cigale. Et La Cigale, pour nous, c'est une scène particulière parce que en mai 2006, c'était le tout premier concert de notre toute première tournée. Et donc, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de concerts. Et nous revoilà sur cette scène-là, et vous êtes encore là pour nous accueillir. Merci beaucoup. Alors, mon histoire avec le slam, elle n'a pas commencé à La Cigale en mai 2006. Pour vous dire, en fait, elle a commencé bien avant, et c'était une certaine soirée en 2003. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sombre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam, fatigué, trottoir en pente, rue des dames, très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Des humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes. Si loin du star system, tu restes pas si t'aimes. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier. En créant sans prier, pour hurler sans crier. Sans accro, sans vriller, dans la voix l'encrier. Pour recevoir sans briller et donner sans trier. Le slam a giflé mon esprit, puis libère les passions. Sous quoi mon envie créative restait en hibernation. À la recherche de ces ambiances, dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre, et son timbre va résonner. La poésie dans les bars a rendez-vous avec la vie. Je l'ai vu et tu le vis, je l'avoue, je l'ai suivi. Elle prend forme, elle grandit, elle rayonne et elle s'entend. Elle t'enlace, une fois qu'elle te tient, elle prend son temps. La poésie dans les bars ne sort pas que de nos voix. Le concept même de ces soirées est un poème qui s'entrevoit. La poésie se cache partout sur le comptoir, dans ton demi. Elle déborde sur le trottoir et se propage l'épidémie. Moi j'oublierai jamais l'année où j'ai chopé le virus. Quand tu trébuches sur un hasard et que tu tombes sur un bonus. Ces soirées où l'on se livre, ces moments où l'on se lève. Des heures à user nos salives, croquer les mots jusqu'à la sève.
J'oublierai pas ces instants rares où la nuit sert de terrain à la recherche de l'éphémère, moitié inquiet, moitié serein. Je sais pas si le bonheur se touche, on l'a peut-être frôlé deux, trois fois dans cette atmosphère un peu louche, se reflétant dans nos voix. J'oublierai pas ce cœur ouvert de toute provenance et de tout âge, uni dans l'envie de découvrir, dans l'écoute et le partage. Ce qui était là ne changerait rien, même si tout était à refaire. Et puis en plus, un texte dit, c'était quand même un verre offert. Les soirées sont toujours là, mais le mieux c'est quand tu fais connaissance. Et un peu le charme de l'inconnu, la découverte et l'innocence. Cette nostalgie me rappelle souvent que j'ai aussi serré des mains. Des rencontres qui font qu'aimerais qu'hier déteignent sur demain. Je suis toujours plein de motivation et je récidive sans façon, recherchant cette sensation qui vaut bien 700 passions. De cette époque non révolue, j'ai reçu un héritage viral. Une manie qui ne me quitte plus, c'est vrai. J'écris à l'oral. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sombre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. J'ai entendu des voix qui touchent comme des chorales dans mon moral. Depuis j'ai de l'encre plein la bouche. Depuis j'écris à l'oral. Messieurs, dames, à l'accordéon, Alejandro Barcelona. Vous connaissez le slam un peu? Ouais? Alors ouais, comme vous savez sûrement, le slam à la base, c'est dans des petits bars, c'est une petite soirée entre nous, c'est, la scène est ouverte à tout le monde, mais surtout les textes sont dits a cappella. Et moi, même si sur scène je suis bien entouré, j'aime bien dans les concerts garder ces petits moments d'a cappella, et notamment pour le texte qui vient, ça tombe bien, parce qu'il faut bien tendre l'oreille, c'est un texte un peu technique qui s'appelle « Père et Mère ». Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'un père, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a des mères un peu pères et des pères mamans. Il y a des pères intérimaires et des pères manants. Il y a des pères imaginaires, les pères fiction, ou bien les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a des pères sévères et des mercenaires, des mères qui interdisent et des pères missions. Il y a des pères nuls et des mères extraordinaires. 10 mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent, les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les pères fides, les personnels qui ont le mal de mère, ce qui laisse les mères vexes. Les perplexes. Bon, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes. Je t'en perds pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable. Il y a une mère rigide et imperméable. Il y a des pères absents et des mères usées. Il y a des mères présentes et des pères fusées. Il y a des mères choyées et des mères aimées. Il y a des pères fuyants et des pères aimés. Il y a la mère intéressée, la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère, quand il. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mercredis. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positives, ou les coups de blouse qui perforent les mères sans père, spectives. Mais s'il est persécuté, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, l'amertume, la magie s'éveille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille,
La merveille. Bon, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes. Je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un père sonne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés. Alors il y a la mère qui se casse. C'est les perspicaces. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure, car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. La ligne 13 du métro, il va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu Delphi, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renois qui font toi aussi là, cas au café là, ma fille. Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois Zigfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein les zen. Après le marché, on ira chez ma rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée des petites rebeux bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames. Certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam. Si tu veux bouffer pour trois fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet set des aristocrasseux. Le soir,
le soir, y a pas grand chose à faire, y a pas grand chose ouvert. À part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kairaland. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent Mucou Hichel sous le nom de Bruno Lopez. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Je connais bien ces rouages, je connais bien ces virages. Y'a tout le temps du passage, y'a plein d'enfants passage. Je vais écrire une belle page, ville aux 100 000 visages. Saint-Denis centre, mon village. J'ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Et t'as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché. Même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs portables à la place du café. Saint-Denis ville sans égal, Saint-Denis ma capitale, Saint-Denis ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Ouais. Là-bas on est fiers d'être dionysiens, j'espère que je vous ai convaincu. Mais celui qui me traite de parisien, je lui enfonce ma béquille dans... Ouais, je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue North Panam qu'on appelle Saint-Denis. Ce texte Saint-Denis, c'est un des premiers que j'ai écrit pour aller le slammer dans des petits bars. Forcément, c'est un des petits chouchous. Je l'ai beaucoup, beaucoup slammé, ce texte, dans les petites scènes ouvertes, dans les tournois de slam, etc. Et du coup, au moment de faire le premier album, il y a plus de 3 ans et demi maintenant, pour moi, c'était évident que ce texte Saint-Denis devait être sur cet album. Et cet album, ça s'appelait Midi 20. Ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas tant à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y'a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir ta belle. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y'a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Et bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport. Emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencarts. Putain, la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart. Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible. Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible. Il fait chaud et tout me saoule, il manquait plus que je sois amoureux. C'est arrivé sans prévenir sur les coups d'11h moins 2. Mais tout à coup, alors que dans le ciel il y avait pas un seul nuage, a éclaté au-dessus de moi un intolérable orage. Il est 11h08, dans ma journée prend un virage. Pour le moins inattendu, alors je tourne mais j'ai la rage. Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité. Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité. Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Cette fin de matinée est tout sauf une récréation. À 11h20 je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation. Je
je passe beaucoup moins de temps à balader rue de la Reine. Et j'apprends à remplir les papiers de la Cotterette. J'ai pas des séquelles physiques, je veux pas faire le Tommy. Il y a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie. J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec des maths. Et j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat. J'ai pris mon stylo bleu foncé, j'ai compris que Eva Betty pouvait m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que mon playlist. J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume et dans l'obscurité. Je rends ce clair de ma plume, j'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs et j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. Il est midi 19, à l'heure où j'écris ce contexte, je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte. Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps. J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. C'est vrai que la vie est rarement un roman en 18 ans. Toutes les bonnes choses ont une fin. On ne repousse pas l'ultimatum. Alors je vais profiter de tous les moments qui me séparent de la chute. Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre de minutes. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant, mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud. Il est déjà midi 20. Alors je vous le disais, nous on est en tournée. Une tournée c'est toute une équipe. Alors il y a ceux que vous voyez, les musiciens, mais aussi les ingénieurs du son, de la lumière. Et puis il y a peut-être un métier que vous connaissez moins bien, c'est le métier de régisseur. Le métier de régisseur, il fait plein de trucs en dehors et sur la scène. Et nous le nôtre, il est un petit peu particulier. Il vient de se reconvertir en fait, il n'était pas régisseur. Il était danseur étoilé. Il s'appelle James Cooper. Bon, forcément, c'était il y a quelques années. Là, c'est un petit peu dur d'imaginer. Mais il était vraiment tout. Il a fait un petit rat de l'opéra et tout. Et du coup, là, bon, c'est un peu chiant. Il doit mettre trois chaises. Normalement, c'est le moment un peu chiant du spectacle. Mais du coup, avec lui, tout de suite, il se passe un truc, quoi. Une grâce dans le geste. Précision. On peut encore l'applaudir, James Cooper. Entrez les enfants et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capables. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On parlera pas de complément d'objet, encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur.
Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance, de malheur? Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20h, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, s'est produit comme une invasion de pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire. Comme aux pires heures de l'histoire, des hommes se font la guerre. Des soldats s'entretuent sans même savoir pourquoi. S'ils s'étaient mieux connus, ils pourraient être frères. Mais leur président se sentait les plus forts, c'est comme ça. Et puis il y a toutes ces religions qui prônent chacune l'amour et qui fabriquent de la haine des assassins, des terroristes. Pour telle ou telle croyance, des innocents meurent chaque jour. Tout ça au nom de Dieu, on sait même pas s'il existe. Les enfants, désolés, on vous laisse l'humain en sale état. Il faut que vous le sachiez, alors aujourd'hui j'essaie. Les certitudes des grandes personnes provoquent parfois des dégâts. En fait, l'adulte est un grand enfant qui croit qu'il sait. J'ai mal au ventre, les enfants, quand je vois l'argent mis dans les armes, dans les fusées, les sous-marins et dans les porte-avions. Pendant que des peuples entiers manquent d'eau, comme nos yeux manquent de larmes, ils voient leurs fils et leurs filles mourir de malnutrition. Apparemment, la nature elle-même a du mal à se nourrir. Les hommes ont pollué l'air et même pourri la pluie. Quand tu auras plus d'eau nulle part, faudra garder le sourire. Et même l'odeur des forêts sera tombée dans l'oubli. Les enfants, vous savez ce que c'est des ressources naturelles? Si vous savez pas, c'est pas grave, de toute façon, il y en a presque plus. Les mots humain et gaspillage sont des synonymes éternels. L'écologie à l'école serait pas une matière superflue. Les enfants, désolés, on vous laisse la Terre en sale état. Et bientôt sur notre planète, on va se sentir à l'étroit. Gardez vos doutes, vous seuls pourrez nous sortir de là. L'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit. Bien sage tout à coup. J'ai un peu cassé l'ambiance, mais je voulais pas vous faire peur. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je compte sur vous. Ne suivez pas notre exemple et promettez-moi un monde meilleur. Allez les enfants, c'est déjà l'heure de la récréation. Allez courir dans la cour, défoulez-vous, profitez-en. Criez même si vous le voulez, vous avez ma permission. Mais surtout couvrez-vous bien. Dehors, il y a du vent. Alors on va accueillir sur scène un nouvel invité, il s'agit d'un invité musical. Ça me fait vraiment très plaisir de l'accueillir. En fait, il ne fait pas partie de cette tournée, mais il fait vraiment partie de l'équipe. C'était le pianiste de la première tournée, c'était le réalisateur musical de l'album Midi 20. Il a fait des compositions pour l'album Enfants de la Ville. Ça me fait très plaisir qu'il soit à la Cigale ce soir. Veuillez accueillir mon pote S. Petit Nico.
nuit est belle, l'air est chaud, les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On a quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs dans ma tête, y'a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Mes soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale. Quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment. Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital. Quand on comprend que l'énergie ne se lit pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction. Ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Est-ce petit Nico ? Merci beaucoup. Il est temps maintenant de vous présenter le reste de l'équipe. Alors c'est un soir un peu particulier, tout ça, il y a les caméras, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter, encore plus que d'habitude. Au piano, je vous présente notre virtuose Elie Chemali. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, je peux pas me passer du son de sa guitare à la guitare Yakin. Le sourire d'ange, mais au groove de la basse, Xavier Zoli. Qu'on commence à avoir quelques années de slam, donc pas mal de tech. Oh merde. Oups. J'allais le faire en fait, et je faisais, tu vois, je racontais un truc pour mieux venir vers toi. Non, c'est ça.
Attendez. Je suis sûr que je peux vous faire applaudir et crier beaucoup plus fort que ça. Attends. Ladies and gentlemen, aux percussions, je vous présente le réalisateur musical de l'album Enfant de la Ville, Mr. Feedback. On ne peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où on passe à jouer au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles, et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution, vers l'enrobe de argot, gros processus de création. Chez nous, les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de chambré est une répartie jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde, du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile, mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées, ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nick ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels. Du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route. Mais pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence, c'est une voisine bien familière. Un mec qui sec dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout, ne te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journalistes. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi, c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs, elle existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc-là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite, ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens, c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas, mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout quand on dort on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvin. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue.
Alors après ce texte un peu revendicatif, j'ai envie de parler d'amour. Non ? Si, ça ? Moi j'ai écrit un texte d'amour, ou plutôt un texte sur l'amour il y a quelques années maintenant. J'avais appelé ça Les voyages en train. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Regarde le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus. La cigale, est-ce que ça va? Ah ouais, ça fait plaisir. En plus, non seulement j'ai besoin de vous entendre, mais là, je vais carrément avoir besoin de vous, tout simplement, parce que on va aborder une partie un petit peu moins joyeuse. En ce moment, c'est la crise. Ça fait rire la dame, en tout cas.
Mais voilà, c'est la crise pour tout le monde et c'est la crise pour notre équipe aussi. Alors pour tout vous dire, il nous reste quelques dates de tournée et on ne va pas pouvoir garder tout le monde. Donc forcément, on a besoin des ingé-sons, des ingé-lumière. James, il est trop beau, on ne peut pas s'en passer. On va devoir se séparer de musiciens. Pour tout vous dire, on va même pouvoir en garder qu'un. Et je voulais que vous m'aidiez à choisir lequel. Alors ? Le guitariste. Ellie, elle connaît le petit prénom. Le feedback, le bassiste. Bon, ok. Ok. Vous n'êtes pas d'accord. On va faire un petit truc pour essayer de se mettre d'accord. Ça vous dit ? Ça tombe bien, c'était prévu comme ça, de toute façon. Je vais prendre un petit bout de texte à cappella. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Alors avec ce petit bout de texte, on va faire des petits duos pour voir avec qui ça fonctionne le mieux, puis on choisira ensemble. Puis on va commencer par toi, Ellie. Ça t'inspire ou pas? T'as pas le choix. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume? On écrit de la poésie. Grosse valeur sur le piano quand même, hein. Merci Ellie. Franchement, ça... C'est bien. Pas mal. Mignon. Tout pourri. Il n'y a rien de personnel avec Ellie, non, non. Tu peux nous proposer mieux, quoi. C'est... Je t'en prie, lève-toi si tu veux. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on assume et qu'on écrit de la poésie? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Merci Akin. Je crois que la cigale a apprécié. Moi je préférais le piano, mais... Sympathique, hein. Tu peux proposer plus sérieux. Ok, j'ai annoncé du groove, hein. Là c'est fini. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie
de dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie. Ça marche, ça marche. Moi j'aime beaucoup, mais je préférais quand même la guitare. Bonsoir. Ça va? C'est cassé? D'accord. Je sais pas si tu as vu ce qu'on faisait là, je sais pas si tu regardais. On peut le faire ensemble, le petit duo? Tu es venu avec qui? Avec ton fils. Salut. Salut Noé. On y va? Ouais. Il y a des gens qui attendent là. Ouais. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une sortie d'évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une sortie d'évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? C'est bien. Moi, je préférais la basse. Mais c'est... Peut-être on peut essayer un dernier truc. Juste, si vraiment la crise s'aggravait, quoi, c'est juste vous et moi pour voir. Est-ce que vous pouvez applaudir bien en rythme comme ça? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume, mais est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Il existe, paraît-il, un instant dans l'écriture qui oublie la page blanche et efface les ratures. Un véritable état second, une espèce de transe qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence. Que l'on rappe ou que l'on slame, on recherche ce moment. Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement. Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo. Il est possible de combattre le mal par les mots. Je sais pas si j'ai un style, mais en tout cas j'ai un stylo. Avec lui je sens que je pèse, l'impression de prendre des kilos. Allez, file au coin, si tu veux pas m'entendre. Car je ne fais que commencer, essaie de me comprendre. Prends ces paroles comme une pulsion, accepte-les s'il te plaît. Elles sont ma respiration, elles aident à penser mes plaies. Quand j'ai mes cicatrices dans tout qui soit pensable de percer. Le secret de cette envie qui soudain m'a transpercée. J'avais de l'encre à la bouche, les mots demandaient qu'à sortir. Sans mentir et sans détour, les mots m'entourent, les mots m'attirent. Y'en a des mots, y'en a des bas, y'a du débit, y'a pas de débat. Pour agripper le stylo, je suis toujours candidat. Je vous ai bien entendu, même pas besoin d'écouter. Ce qu'on partage à un signal va au-delà de ces couplets. J'ai dit pour avancer, tu sais, c'est pas pour faire une démo. J'ai le bout des doigts glacés, j'ai que la peau sur les mots. À la cigale, est-ce que vous êtes capable de faire un maximum de bruit pour les musiciens, s'il vous plaît? À la base, Xavier.
question feedback. Alors Monica, je vous demande de faire un maximum de bruit pour notre deuxième invité musical, c'est Yoné. Monsieur Fred Yoné. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a un beau bordel. J'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur. Mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi, les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. C'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec une fille. Il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets.
Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, sinon j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre tournée. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe, y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force. Et le mieux, c'est sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Et si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, tu mens. Alors je les mets en mots et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous, chez moi, il y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble. On calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Il y a des sourires et des soupirs, il y a des fous rires à en mourir. On peut sourire et sans rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe. Les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer, en première classe. Fred Yonnet. Ça va? On continue encore un petit peu? Alors, je vais vous parler d'un endroit remarquable, absolument épatant. Un lieu extraordinaire qui existe depuis longtemps. On le trouve un peu partout, mais il renferme bien des mystères. Ce lieu mystique s'appelle l'appartement de célibataire. Le célibataire masculin, c'est quand même celui que je connais le mieux. C'est un peu toujours le même, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux. Je sais de quoi je parle, suivez-moi, vous êtes sous bonne escorte. L'appartement est là. Il suffit d'ouvrir la porte. Ce qu'on remarque tout de suite, sans être un enquêteur, c'est que le sol mériterait un bon coup d'aspirateur. C'est pas vraiment que c'est sale, mais faut avouer que sous nos pieds, quand on marche, on a l'impression d'avancer sur du gravier. Un autre truc flagrant, même si le mec habite là depuis 2 ans, c'est qu'on croit toujours qu'il vient de faire son déménagement. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres et en gros, la décoration, je crois qu'il faut admettre que c'est pas sa passion. Le célibataire est fier de ses meubles. Et pourtant, tout ce qu'il y a,
C'est un pauvre canapé clic-clac et une table basse Ikea. C'est souvent sur cette table que le courrier attend bien sage, à côté d'une canette et d'un bout de pizza à quatre fromages. Bienvenue dans la cuisine, voici l'évier, il est nickel. Bon là on le voit pas bien, il est sous la pile de vaisselle. Je m'en fous, je la ferai demain, la phrase est un peu classique. Plus tard le célibataire aura un lave-vaisselle. Ou une meuf, les deux sont pratiques. C'est ce bruit, c'est quand on ouvre le frigidaire. L'intérieur, on dirait une plage de Normandie un soir d'hiver. À part deux yaourts et une sauce bolognaise périmée, c'est le grand désert, vas-y referme vite, tu es déprimé. Pas mal, la salle de bain est sympa, la baignoire. Mais dis-moi, c'est sa vraie couleur, là, le gris trottoir? Et le lavabo, c'est pareil, lave-le, ça prend deux secondes, j'entends Jacob Delafont qui se retourne au fond de sa tombe. Attention, on attaque la chambre. Et là, ça cartonne. Regarde bien, le lit est fait. Non, je déconne. Par contre, si tu regardes en dessous, il se passe des trucs étonnants. Il y a tout un écosystème qui est en plein développement. Il peut se passer un moment grave, comme un tremblement de terre. C'est quand une femme prend ses quartiers dans l'appartement de célibataire. Elle opère de petits changements, délicatement, sans gros sabots. Il y a plein de produits de beauté qui poussent le long du lavabo. C'est toujours ton petit chez toi, mais il y a un nouveau parfum dans l'atmosphère. Toi, tu aimes cette invasion, tu observes, tu laisses faire. Mais même si tu ranges pas plus et que tu laves pas souvent tes draps, elle changera pas tes habitudes. Si elle t'aime, elle comprendra. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, et puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées, plein de projets pour les sorties. Mais on a que deux cartes par an qui sont prêtées par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous on a que des tapis et des cerceaux, mais la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent.
Un établissement scolaire sans vrai moyen est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme, on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Y a pas d'éducation nationale, y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. J'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là, que mon avenir est un cul-de-sac. Ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. Un souvenir glacial comme ce soir de décembre, où tes espoirs brûlants ont laissé place à tes cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine. Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir. Et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans. Elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pour
temps les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. Dans ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin. Ça commence par un moment de flottement quand le soleil recule, un parfum d'hésitation qu'on appelle le crépuscule. Les dernières heures du jour sont avalées par l'horizon pour que la nuit règne sans partage. Elle a gagné, elle a raison. En fait, j'aime cet instant, je vois le changement d'atmosphère. Et si j'y pense un peu, je me demande comment ça peut se faire. Ce miracle quotidien, le perpétuel mystère qui fait qu'en quelques secondes on passe du côté obscur de la terre. Voici une ode pour la nuit, les nuits, les miennes, les tiennes. Je ne sais pas comment tu les vis, moi mes nuits m'appartiennent. Je les regarde et je les visite, c'est mon royaume, mon château. Je les aime et c'est tant mieux, parce que j'aime pas me coucher tôt. Je te parle pas des nuits parisiennes, des lumières et des décibels. Je préfère celle du silence et de la pénombre qui est si belle. Je te parle pas des nuits en boîte, celle des branleurs et celle des poufs. Je préfère les trottoirs vides quand la ville reprend son souffle. Comment exprimer ce que la nuit m'inspire, ce qu'elle nous suggère et ce qu'elle respire? Ce moment d'obscurité qui met en lumière nos fissures, l'ambiguïté en manteau noir, la nuit fait peur, la nuit rassure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle influence nos cerveaux. Prends pas de grandes décisions la nuit, tu sais jamais ce que ça vaut. Pourtant, elle peut être parfois un moment d'extrême lucidité, mais c'est souvent la nuit que tu crois détenir la vérité. Chaque nuit, la suspicion fête son anniversaire. Et quand tu croises un mec dans la rue, il te mate comme un adversaire. Il y a des regards méfiants, menaçants ou pleins de panique. En tout cas, ce qui est bien la nuit, c'est qu'il n'y a personne sur le périphérique. Et si t'as pas de voiture, surtout loupe pas le dernier métro. Sinon tu raques un taxi ou tu dors avec les charclos. Tu découvres alors que la lune n'est pas toujours blonde. Tu découvres alors la vraie nuit, son vrai rythme et son vrai monde. C'est vrai que la faune de la nuit est assez particulière. Il y a ceux qui taffent, il y a ceux qui sortent pour voir les putes ou boire une bière. La police est là aussi, alors on peut se manger quelques claques quand on répond un peu trop fort lors d'un contrôle de la BAC. Dans ta nuit, la journée qui vient de finir se reflète. Fais ton petit bilan, journée de galère ou jour de fête. Si t'as peur du lendemain, tu penses au proverbe un peu balourd. Dans la nuit porte conseil ou bien demain il fera jour. Voici une note pour la nuit, douce nuit d'été ou longue nuit d'hiver, nuit calme et reposée ou nuit trop riche en faits divers, nuit blanche lors d'une nuit noire où même la lune s'est dérobée.
Je te propose juste quelques photos de notre monde. Face B. Voici une note pour la nuit qui nous a vu remplir tellement de pages qu'à cet instant je la fixe sur ma feuille comme un hommage. Elle offre au poète tellement d'heures sans bruit qu'à ce qui paraît, la nuit tous les stylos sont pris. Quelque part dans le Grand Ouest, il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste. La porte du saloon claque encore, dehors le vent fouette la poussière. Lui, il galope vers son sort sans jamais regarder derrière. Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit? Est-il sûr ou incertain? Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son destin? À quoi ressemble son avenir, une évidence ou un mystère? Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de lumière. Pour échapper à ce temps pourri, la porte du café tremble encore, dehors la pluie fouette le bitume. À chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la brume. Puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est une course contre la montre ou une course contre la peur. C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur droit devant. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant. Thank you.
Tiens le zéro. Merci beaucoup à toi, Calo, d'avoir répondu présent à l'invitation. Ça fait plaisir, je fais un duo avec Calo Géraud. Ça... Puis on n'arrête pas de me proposer des duos en ce moment. J'ai plein de gens qui m'appellent. Ça va, ça va. Très bien. Ça va, ça va. Excusez-moi, j'interromps rapidement le cours du spectacle. Rapidement, alors, ouais, s'il te plaît. Deux secondes. Ça va prendre deux secondes. Voilà, je voulais juste. Voilà, bah j'en profite. En flagrant délit d'auto-congratulation, monsieur Malade, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Et ben voilà, monsieur Malade se le raconte, ça fait quelques 7-8 mois, même je dirais presque un an, hein, n'est-ce pas? Oui, ça fait un an. Voilà, donc je voulais quand même pouvoir dire ça en public. Ouais, tu voulais le dire en mode. Je ne peux pas le dire, il y a tellement. Tu voulais le dire ce soir, là, les caméras, tout ça ce soir. C'est vrai, désolé. Tu ne voulais pas attendre tranquillement, qu'on passe ça après. Tu es immortalisé, hein, à vie. Ouais. C'est chaud, hein. Bon, mais bon, enfin voilà, tu as toujours 4 gardes du corps autour de toi. Non, ça s'appelle des musiciens. Après, si vous jouez comme des gardes du corps, c'est pas le bon fait. Oui, non, mais vas-y, ouais. Une loge tempérée à 23,5 degrés, tu ne manges plus avec nous. Si. Dis-moi, vas-y, dis-moi quoi. Ah non, ouais, c'est vrai. Tu vois, ouais, tu vois. Ah ben là, c'est vrai. Donc voilà, bon, bah, moi bon. Je voulais... Voilà, merci, désolé de cette interruption. On en a marre de cette situation. En tout cas, au niveau de la crise et des licenciements, j'ai des petites idées maintenant, du coup. Mais merci. Attention, il y a des suicides en masse en ce moment. Hein. Merci, Étienne. Très attention. James, tu peux faire quelque chose pour arrêter ça. Tu viens de m'interrompre, normalement. Voilà. J'aime s'il vient en dansant, en faisant des entrechats, forcément. Ça. Merci, Yakin. Désolé de cette interruption. On va reprendre la fin du concert avec le sourire. Tu peux y aller, Fid. Genre, tout le monde est d'accord, quoi. C'est... Monsieur Bach, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien reprendre le concert ? Bien sûr que non, j'ai rien changé à mes habitudes. Pas de nouvelle attitude, même degré, même latitude. Toujours les mêmes délires, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Toujours pas de montre à mon poignet, rarement pressé, jamais à l'heure. Bon, c'est vrai que depuis un moment, je prends plus le métro. Trop galère, trop perte de temps, des rendez-vous, j'en ai trop. Et puis j'avoue, dans la voiture, ce n'est plus moi qui conduis. J'ai un chauffeur, enfin deux, un pour le jour et un la nuit. J'ai toujours les mêmes potes, que je les vois 2 fois par an. Et une fois tous les semestres, je passe un coup de fil à mes parents. C'est juste un problème de planning, ne croyez pas que je me la pète. Rassurez-vous, je reste underground, parce qu'underground, c'est dans la tête. J'ai pas changé de numéro de phone, mais je réponds pas, j'ai pas le temps. Je vois un week-end dans les îles, là je suis toujours partant. Pas devenu trop parano, mais je fais confiance aux gens blindés. Et j'ai acheté deux Doberman qui surveillent mon lecteur DVD. Je vais bouffer au restaurant, des gants de frigo, y'a plus de caviar. Des jeans en peau de serpent et des Stan Smith en lézard. Je n'arrive à m'endormir qu'après 2 bouteilles de champ. Et en guise de réveil, un pianiste est dans ma chambre. J'ai remplacé ma vieille télé par un plasma de 20 mètres carrés. J'ai 500 chaînes que je vois jamais car je préfère me parer dans des soirées bien branchées où tous les soirs je fais la fête. Et je reste underground parce qu'underground c'est dans la tête.
Serge par la personne pendant 2 heures. J'avais dans ma loge tamisée pour chaque pied j'ai un masseur. J'avais une partie de la tournée dès que j'ai le moindre souci. Et après chaque représentation je mange du foie gras et des sushis. Pour les séances de dédicace je veux que les gens soient sélectionnés. J'en veux des droits et bien élevés, je supporte plus les gens paumés. Bien sûr je veux des belles filles qui me disent qu'elles m'adorent. Je veux qu'on crie, qu'on m'applaudisse, je supporte plus qu'on m'ignore. Je connais plein de monde mais mes vrais amis sont tous des gens de télé. Si tu peux rien m'apporter sois cool, arrête de m'appeler. Je fais la bise à tout le monde comme on le fait dans la jet set. Mais je reste underground parce qu'underground. Bien sûr que non, j'ai pas changé. C'est simplement que c'est plus pratique de voyager en jet privé et de me reposer dans des suites. Bien sûr que oui, je suis resté le même. C'est simplement que c'est normal de n'accepter de flammer que si le ministre est dans la salle. J'ai une panthère sur mon balcon et un requin dans ma baignoire. Ma voiture a des vitres teintées, je sors qu'avec des lunettes noires. J'ai un jacuzzi dans ma Clio et des diamants dans le moteur. Et désormais je vais au marché de Saint-Denis en chaise à porteur. Je continue de flammer dans des bars mais je veux venir avec mes sponsors. Il faut me fournir un costard et un manche de micro en or. Si j'ai changé c'est dans le regard des autres car moi je vous le répète, je suis resté underground parce qu'underground. Mesdames, on s'approche de la fin du concert. Vous l'avez super bien fait. On aurait dit un sitcom. On peut le refaire ? Messieurs, dames, on s'approche de la fin du concert. Bah si. Le dernier morceau s'appelle 4 saisons. Arrivé du mois de décembre, j'ai bien regardé la hauteur du ciel descendre, l'hiver arrivé. J'étais presque content de le voir en l'observant se déployer. J'ai mis une veste au-dessus de ma veste pour pas trop cailler. J'ai vu la nuit qui tombait tôt et les gens qui marchaient plus vite. J'ai vu la chaleur des bistrots avec de la buée sur les vitres. Là-dessus, la nature est fidèle, j'ai vu le jour se lever tard. J'ai vu les guirlandes de Noël qui me foutent le cafard. J'ai aimé avoir les mains gelées pour le mettre au fond de mes poches. J'ai adoré marcher dehors quand tu sais que la maison est proche. J'ai souri bêtement en voyant qu'il n'y avait plus de fleurs sur les balcons. J'ai regardé le ciel tout blanc, il y avait même des flocons. Certains matins, j'ai vu que le givre avait squatté derrière les fenêtres. J'ai vu les gens revenir du ski avec la marque des lunettes. Je commençais juste à m'y habituer, mais les jours ont rallongé. J'ai compris que le printemps allait emménager. Le mois de mars avait tracé en un battement de cils. Et on m'a dit qu'en avril, il faut pas se découvrir d'un fil. Mais moi j'ai peur de rien, alors malgré les dictons vieillots, j'ai enlevé une de mes 2 vestes pour pas avoir trop chaud. J'ai vu les arbres avoir des feuilles et les filles changer de godasses. J'ai vu les bistrots ouvrir plus tard avec des tables en terrasse. Il y avait plein de couples qui s'embrassaient, les hormones, ça réagit. C'est la saison des amours et la saison des allergies. C'est vrai que j'ai eu le nez qui coule et je me suis frotté les yeux. Mais j'ai aimé la chair de poule pendant un coup de vent affectueux. Sur les balcons ça bourgeonnait, j'ai ri bêtement à cette vision. J'ai regardé le ciel bleu pâle, il y avait même des avions. Ma factrice a ressorti le vélo, j'étais content pour elle. Content aussi pour le daron qui aime le retour des hirondelles. Je commençais juste à m'y habituer, mais le thermomètre a augmenté. J'ai compris ce qui nous pendait au nez.
c'était l'été. Au mois de juin, on change de teint, on finit d'être albinos. C'est la période des examens, et puis celle de Roland-Garros. Ça sent les vacances à plein nez, il va être l'heure de se tirer. Moi j'ai enlevé ma dernière veste pour pas transpirer. J'ai vu qu'il faisait encore jour, même après le début du film. Pour ceux qui ont des poignées d'amour, il est trop tard pour le régime. Les mecs sont assez excités, ça les préoccupe que les filles sortent leur décolleté et leur mini-jupe. J'ai aimé rechercher l'ombre quand il y avait trop de soleil. J'ai aimé dormir sans la couette pour rafraîchir le sommeil. Sur les balcons, c'était la jungle, il y avait plein de fleurs et plein de feuillages. J'ai regardé le ciel tout bleu, il n'y avait même pas de nuages. J'ai adoré conduire la nuit, la vitre ouverte en grand, avec le bras gauche de sortie qui fait un bras de fer contre le vent. Je commençais juste à m'y habituer, mais j'ai vu une fleur faner, et j'ai compris que l'automne était déterminé. C'est surtout à partir d'octobre que c'est la saison la plus austère. Moi, bizarrement, je la trouve noble, c'est celle qui a le plus de caractère. J'ai vu les feuilles qui tournoyaient comme des ballons de baudruche. J'ai remis une de mes vestes avec une capuche. J'ai vu la pluie, j'ai vu le vent et un rayon de soleil malade. J'ai vu les caouets des enfants qui partent aux châtaignes en balade. J'ai marché dans les feuilles mortes et sur les trottoirs mouillés. J'ai vu les parcs changer de couleur, ils étaient tout rouillés. J'ai aimé les lumières de la ville qui se reflètent dans les flaques et les petites bourrasques de vent qui mettent les brochilles en vrac. Sur les balcons, il y avait que des branches sans feuilles et sans raison. J'ai regardé le ciel tout gris, il n'y avait même plus d'horizon. Et puis l'hiver est revenu et les saisons se sont perpétuées. Les années passent, la vie aussi, on commençait juste à s'y habituer. On est les témoins impuissants du temps qui trace, du temps qui veut que les enfants deviennent des grands et que les grands deviennent des vieux. Merci beaucoup. Merci de votre accueil, à très bientôt.
idée qui rassemble, une pensée qui n'est pas toute neuve. Si bien quel que soit ton parcours, tu rencontres de belles épreuves. La vie c'est Mr. Hyde, pas seulement Dr. Jekyll. J'ai vu le film depuis longtemps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. T'as qu'à voir les réactions d'un nouveau-né à l'hôpital. S'il chiale si fort, c'est qu'il comprend que souvent la vie va lui faire mal. Il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des bas, il y a des hauts. Il y a des soleils et des orages, et je te parle pas que de météo. On vit dans un labyrinthe et il y a des pièges à chaque virage. À nous de les esquiver et de pas calculer les mirages. Mais le destin est un farceur, on peut tomber à chaque instant. Pour l'affronter, il faut du cœur et un mental de résistant. J'ai des cicatrices plein la peau et quelques-unes dans mes souvenirs. Et des rescapés partout, je suis qu'un exemple, ça va sans dire. Ça doit se sentir, faut pas se mentir, la vie c'est aussi la guérison. Après la foudre, prends-toi en main et redessine ton horizon. Y'a des tempêtes sans visage où on doit se battre contre le pire. Personne n'y échappe, Rouda, c'est pas toi qui va me contredire. C'est l'ultime épreuve où tu affrontes la pire souffrance morale. Quand la peine rejoint l'impuissance pour la plus triste des chorales. J'ai vu des drames à cœur ouvert, j'ai vu des gens qui s'accrochent. Ce qui est bien avec le drame, c'est que tu le partages avec tes proches. Pour les miens, il est peut-être l'heure de m'arrêter un court instant. Pour les remercier d'avoir du cœur et un mental de résistant. Aussi perverse, ce que tu désires, elle l'a caché. Elle te le donnera pas tout cuit, il va falloir aller le chercher. Du coup, ce qu'on a, on le mérite, au hasard, on n'a rien piqué. Et si t'as pas compris, va voir mes potes, ils vont t'expliquer. Jackie, tu m'as dit que l'ascenseur social était bloqué. Toi, t'es allé chez Otis, c'est le réparateur, tu l'as braqué. Sans craquer, sans rémission, t'as affronté de vraies missions. M'a montré qu'avoir du mental, c'est aussi avoir de l'ambition. Y a pas de chemin facile, Brahim, t'as rien demandé à personne. T'as tout construit de tes mains et y a pas que moi que tu impressionnes. Toi, Samy, t'es notre moteur parce que tu sais depuis longtemps. Pour que ça schémarre, il faut du cœur et un mental de résistant. Je crois qu'on a tous une bonne étoile, sauf que des fois elle est bien planquée. Certaines même plus que d'autres, il faut aller les débusquer. Parfois ça prend du temps quand tu fais trois fois le tour du ciel. Mais si tu cherches, c'est que tu avances. À mon avis, c'est l'essentiel. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de barrière infranchissable. Il faut y croire un peu, il y a bien des fleurs qui poussent dans le sable. Et c'est quand tu te bats qu'il y a de belles victoires que tu peux arracher. Comme se relever avec une moelle épinière en papier mâché. Je n'apprends rien à personne, tu es vivant, tu sais ce que c'est. Vivre, c'est accepter la douleur, les échecs et les décès. Mais c'est aussi plein de bonheur, on va le trouver en insistant. Mais pour ça, faut du cœur et un mental de résistant. Ça va? Ah ben moi aussi. Je commence vraiment à me sentir en confiance là. Du coup, je vais vous faire mon texte le plus personnel. C'est sûr, c'est le plus perso parce que ça parle de ma tête, mon cœur et mes couilles. C'est bien quand vous applaudissez comme ça, juste après le titre, ça fait genre j'ai des thunes, les gens y connaissent. Ça fait bizarre en fait. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leur loi. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles.
Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous. Si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups, c'est à cause de ce combat qu'il s'agit dans notre corps. La tête, le cœur et les couilles discutent, mais ils sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge toujours prêt à s'ouvrir, mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain ma tête me casse les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disent à ma tête qu'elle a pas de cœur et que mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couille pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur. Elle n'a ni queue ni tête. Moi les femmes, je les crains autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi c'est un sacré bordel. J'ai pas trouvé la solution, ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, mon cœur et mes couilles. Voilà, cette fois c'est vraiment le dernier morceau de la soirée. Alors toute l'équipe est de retour sur scène. Maestro. Les codes de ma route ont soudain été très surprenants. Nouvelle signalisation, nouveaux panneaux, nouveaux tournants. J'ai bien alerté mes rétines pour voir tout ce qu'il y avait à voir. Et j'ai marché en observant du côté chance de l'histoire. On a d'abord slamé dans des bars, c'était nos tours de Babel. L'histoire est devenue aventure et l'aventure est devenue belle. Avec un mélange de rencontres, d'envie et de prise de risque. Qui aurait cru que c'était possible? On a même sorti un disque. Comme tout est allé vite, là je décide de me poser quelques secondes, me retourner pour essayer d'analyser. Une année mouvementée, pleine de surprises et d'actions, où avec le public, on a échangé des émotions. Alors j'essaie de réaliser, de ressentir, de prendre conscience de tout ce que ça m'a apporté de recevoir cette reconnaissance. Je me souviens d'une farandole de sentiments, même si le plus fort, c'est quand quelqu'un du public me dit merci. Ça réchauffe le ventre de savoir qu'on a fait du bien. Juste pour un petit moment, modestement, on crée du lien. Et je me dis que je me suis pas trop trompé quand j'ai misé sur toutes ces heures fragilisées par un auditoire tamisé. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai mis des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. La belle aventure a pris de drôles de proportions. Difficile de prévoir de pareilles mensurations. Bien sûr, on y croyait, mais personne ne pensait qu'il y aurait des textes de slam au programme du bac français. Tant d'événements inattendus, parsemés forcément, et j'ai slamé slalomant entre surprise et étonnement. Et si je reprends l'horloge de mon unique journée, il est 12h40 quand s'achève la tournée. Cette première tournée m'a offert tant d'images, de plaisir, de voyage, de sourire, de visage, des témoignages qui ont gonflé mes poumons de gratitude. Voir un public se lever, on n'en prend jamais l'habitude. Alors merci pour votre écoute et pour vos applaudissements. Ils résonnent pour notre équipe comme les plus beaux encouragements. Merci Renaud et Gaëtan et merci à Timothée. J'ai compris dans vos yeux d'enfant que mes mots avaient d'utilité. On en a fait des kilomètres, vu des péages et vu des gares. Pour essayer de mieux se connaître à la recherche de vos regards, des patelins aux grandes villes, des petites salles au festival, de mes envies à Montréal, de Saint-Denis à Montréal, 120 dates de concerts avec un public aux petits soins, ça laisse quelques souvenirs, pas qu'à demander aux musiciens. Et comme je suis un gamin, bah j'ai envie de recommencer. Et quoi qu'il se passe demain, je me souviendrai de l'année passée. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. Merci La Cigale, merci infiniment.
Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. Je voudrais qu'on remercie tous ceux qui ont travaillé sur ce concert. À la lumière, c'était Jean Evrard. Au son pour vous dans la salle, c'était Hamid Malki. En retour pour nous, c'était Ronnie. À la régie, c'était James. Merci à Karim Boumedjan. Merci à mon prod Jean-Rachid. Merci au producteur de cette tournée, Jean-Philippe Bouchard. Merci à tout le monde, merci infiniment. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux. Un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient, même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance. Rappelez sur scène les invités de la soirée. Espetit Nico, Samy, le comte de Boudherbala, Fred, Alejandro. Messieurs, dames, ce soir pour nous c'était un soir un peu particulier parce que c'était notre premier concert sans Paco, notre ingénieur du son qui nous a quittés il y a 3 jours. On était donc très émus pour, nous, pour lui ce soir et on voulait vraiment, on avait une énorme pensée pour lui et on voulait lui dédier tous vos applaudissements. Merci.